Bonjour et bienvenue à une autre programmation de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle. C'est devenu à la mode de décrire les copyrights, les brevets et les marques déposées. Trois entités séparées et très différentes, impliquant trois types de lois séparées et différentes, plus une douzaine d'autres lois. Sous la forme du terme unique, propriété intellectuelle. Ce terme n'est pas apparu par accident. Il déforme et rend confus systématiquement ses problèmes. Et son utilisation a été et soutenue par les sociétés qui profitent de cette confusion. Rejeter ce terme entièrement permet de supprimer cette confusion et de réfléchir plus clairement. Selon le professeur Mark Lemley, exerçant actuellement à la Stanford Law School, l'utilisation très répandue du terme « propriété intellectuelle » est une mode suivie depuis la création, en 1967, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et est devenue réellement courante depuis ces dernières années. Comme vous le savez, cette organisation mondiale est l'une des branches du Nouvel Ordre mondial et sert les intérêts de celui-ci. Les manipulations linguistiques ont rendu possible des mauvaises interprétations sur la propriété intellectuelle. Commençons avec des exemples concrets de propriété intellectuelle qui nuisent à l'épanouissement de la race humaine et son avancement. Le plus grand facteur de destruction de l'environnement depuis un demi-siècle est sans aucun doute le pétrole, et de loin. Le pétrole est principalement utilisé pour le transport. Mais vous savez que nous avons des alternatives aux voitures à carburant fossile depuis de longues décennies. Ce qui a empêché le développement de cette technologie-là est justement la propriété intellectuelle, plus précisément les brevets. L'inventeur vendait ses plans de voitures électriques, par exemple, à la transnationale et celle-ci les laissait sur une tablette. L'inventeur n'y pouvait rien, puisque la propriété intellectuelle jouait contre lui. Nous savons aussi que presque toutes les guerres depuis 1945 ont eu comme motivation principale le pétrole. Nous pouvons donc aisément en conclure que la propriété intellectuelle a joué un rôle déterminant dans la destruction de notre environnement et le massacre de millions de vies humaines. Sans oublier tous les avancements technologiques qui auraient poussé l'humanité vers le haut, mais qui par le fait même auraient affaibli la supériorité de l'élite mondiale sur la masse. Car cette élite sait très bien que chaque innovation peut être utilisée pour donner du pouvoir au peuple ou pour l'esclaver. Si j'ai une pomme et que vous en voulez la moitié, admettons que je la partage avec vous, vous gagnez une moitié de pomme. Mais je perds une moitié, d'où la logique de la propriété physique. Mais si je partage une idée avec vous, vous avez maintenant une idée et je n'ai rien perdu. Nous multiplions les idées. C'est la même chose pour l'information. C'est pourquoi j'adore mon rôle de diffuseur d'information. Je partage et je multiplie les richesses. Merci à ceux qui propagent encore plus loin. Les brevets sont une forme de propriété intellectuelle. Et les particuliers, comme vous et moi, n'ont en général pas les fonds nécessaires pour breveter quoi que ce soit. Ce sont donc presque toujours les grandes transnationales qui brevettent. Nous avions établi, en toute logique, que la vie ne pourrait jamais être brevetée. Mais les grandes multinationales ont réussi à faire renverser cette décision. Il y a aujourd'hui une course effrénée vers le brevetage des gènes. C'est totalement dégueulasse. Je vais vous parler de quelques exemples. Monsanto a breveté des variétés de maïs. Ces variétés ont été élaborées par les Mayas pendant des milliers d'années, puis perfectionnées par les cultivateurs latino-américains. Mais comme ces fermiers n'ont pas les fonds nécessaires pour breveter, c'est Monsanto qui l'a fait. Elle se prend pour Dieu et prend le droit légal sur une semence qu'elle n'a absolument pas créée. Elle peut maintenant débarquer chez le cultivateur guatémaltèque, par exemple, et saisir une part de ses récoltes. C'est ce que nous appelons au Québec être plein de marde. Et Monsanto est en train de devenir propriétaire de toutes
les semences du monde entier. Les implications pour l'humanité sont désastreuses et sont tous des conséquences de la propriété intellectuelle. Vous commencez à comprendre que la propriété intellectuelle vous fait beaucoup plus de mal que de bien. C'est la même chose pour les droits d'auteur. Vous devez comprendre que les artistes ne sont pas propriétaires de leurs œuvres, car tout comme les brevets, les droits sont très dispendieux. La transnationale qui gère l'artiste est la propriétaire, de sorte que l'artiste n'a même plus le droit de chanter ses propres chansons en public s'il ne renouvelle pas son contrat avec les propriétaires légaux. Certes, de très riches mais très rares artistes comme Michael Jackson et Céline Dion sont propriétaires de leurs chansons, mais ils ne représentent qu'une infime partie de tous les artistes. Une évidence de tout ça est que lorsque vous utilisez une chanson d'artiste connu sur YouTube, vous recevrez un avertissement qui stipule que cette chanson appartient à CBS, par exemple, mais jamais à un artiste en particulier. Ce n'est pas une coïncidence que les manipulations linguistiques dont nous sommes victimes, élaborées par la grande entreprise, ont changé le terme « partage » en « piratage ». Quand vous êtes témoin de quelqu'un qui vise à protéger les intérêts de la propriété intellectuelle, vous pouvez conclure en toute tranquillité d'esprit que celle-ci est ignorante et désinformée, ou pire, qu'elle est serviteur consciente des intérêts de l'élite mondiale. Complètement déshonorable.